Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue pour la suite de Nox, pour ce chapitre 4. Dans le chapitre 3, qui aura duré quand même une bonne heure 20, nous avons fait le chemin dans une forêt dans le cimetière de X pour récupérer un bâton qui a été volé par des méchantes créatures. Et en même temps, parce que ça dure un petit moment, je me suis éparpillé à droite à gauche dans cette forêt où je me suis fait tuer deux fois. Et là, nous avons découvert un peu plus tard dans le cimetière une personne qui dit que elle a entendu quelqu'un et que ça psaumait des trucs, que ça invoquait des créatures impies, tout ça, tous les bails, vous savez, de ces gens qui invoquent des démons pour se venger. Et nous avons eu pendant la petite histoire de l'introduction du chapitre 4 que cette personne a était l'enfant qu'un soldat a sauvé parce qu'elle n'a pas voulu le tuer et que maintenant peut-être qu'elle chercherait à se venger. Et nous sommes donc juste ici en face du tombeau des bras, si j'ai bien suivi, où elle se cacherait, sachant que ce tombeau aurait pas mal de pièges. Normalement, j'ai tout vendu, je vais juste checker que tout est Je sens que nous pourrions devenir les meilleurs amis du monde, si vous deveniez mon meilleur client, bien entendu. Je répare juste ça vite fait, et normalement, j'ai tout, techniquement, j'ai tout vendu, il ne reste que les objets utiles, dont ces shurikens, que je n'ai pas encore utilisés. Et tant mieux d'ailleurs. Donc ma carte, on est sur le tombeau des braves, ok, ça c'est bon, j'ai bien retenu. Je vais juste vérifier, je crois que j'avais upé au niveau 3. La dernière fois, je suis pas loin du niveau 4. Pour le moment, tout se passe bien, le jeu n'est pas trop dur. Ça fait quoi si je vais là? Tiens, je vais explorer ici, avant. Ah bah, hé, j'ai bien fait. Ça se trouve, c'est la fin. C'est complètement la fin, sûrement. Je suis en train de faire le jeu dans le mauvais sens, mais vous savez quoi, je m'en fiche. Je sais pas où je suis, mais c'est pas grave. À moins que c'était là. Je vais remonter pour être sûr. Parce qu'il y a un truc dont je veux être certain, c'est que... On est d'accord que si je vais là, je peux pas y aller. Il y a mon téléphone qui sonne, évidemment. Excusez-moi. La marque des professionnels, mesdames et messieurs. Ouais, on est d'accord, je peux pas y aller. Ok, donc c'est pas moi qui suis con. C'est pas moi qui suis con du tout. Autour de cette forêt, il n'y a rien. Rien du tout. Pas de petits secrets. Non, donc c'était bien ça, c'était le tombeau. Je ne m'étais pas trompé. Alors ça commence déjà par... Où que c'est que je vais avec tout plein de portes? Là, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout, là c'est une salle. Avec des tombeaux. Ok, je ne peux pas... les utiliser. Les bruits d'ambiance me font un peu peur, en disant que je me dis qu'il y a des trucs qui tirent bas. Ça a l'air d'être des chauves-souris là-bas. Il y a l'air d'avoir quelque chose. Il y a une porte juste là. Ah, un tombeau que je peux ouvrir. Il y a un fantôme que j'ai battu à l'aide de mon épée. Certaines logiques ne sont pas respectées. Je vais encore me tromper au niveau de mon touche droite et gauche. Là, ça me fait flipper cette ambiance. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va me sauter à la gueule. En me disant, hé, hey, attention. Wow. Alors, ce qui me saute à la gueule déjà, c'est les milliards de chauves-souris. Je crois qu'il y en a une qui est sortie d'ailleurs. Je peux pas ramasser les os? Non? Ok. Je prends un tout petit peu cher au niveau de la vie.
Save. On continue. On explore comme d'hab toutes les pièces. C'est là d'où je viens. Ok. Wow, wow. Il m'a étourdi. Il m'a complètement étourdi et il s'est barré. Il s'est barré. Il m'a mis un petit 29. J'ai vu. Non. Non, il m'a pas mis. Je commence à être dans une zone qui me fait un peu peur au niveau des dégâts et aussi au niveau des monstres. Là. Il n'y a rien. Ça, je peux pas les casser. Je peux pas les casser. Ok. Donc, je peux détruire des fantômes avec une épée. Pourquoi pas? Je ne comprends toujours pas comment. Oh, c'est un rat qui m'a fait peur. Oh là là. Y a rien? Si, là. Ça, je peux. Si, je peux y aller là. Ok. Checker de ce côté. Il y a tellement de choses. Je vais explorer. Je dis explorer au lieu d'explorer. Oh! Oh! Oh là là! Ça, je m'en étais pas rendu compte au départ. Elle m'a ralenti, la saleté. Alors j'essaie quand même de me repérer, ça je suis déjà allé, non, non. Ah non, ça m'a mis 4, ok. Pour le moment il y a de l'or. Et je sors là. Ok, donc là j'ai fait un premier tour. Là c'est des tombes. Là. C'est un couloir, ok, qui va mener à la suite. Ce qui fait que il y a cet endroit que j'ai visité. Donc c'est un endroit à gauche que je n'ai pas visité. Ok. Ambiance très particulière. Ok, là c'est la suite. Ah, je l'ai vu. Aïe. Je commence à voir les murs. Qu'est-ce que c'est? Formidable coiffe de cuivre. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Sachant que là, j'ai déjà une coiffe de cuir contre le poison. Ah oui, et ça augmente de 10 points. Bah écoutez, hop, je serai toujours immunisé contre le poison. De faible niveau, certes. Mais quand même. Non, pas ça. J'en ai pas zappé un tout à gauche. Non. Pas l'air. Très bien. Donc, premier niveau. Ok. Au moment où je vais prendre une malédiction dans les dents. Ouais. Ok, donc c'était littéralement le premier niveau. Je bouge pas parce que j'essaie de comprendre où je suis. Ok. Alors le fait
qu'il y ait des monstres capables d'ouvrir des portes comme ça. Ah, ça me fait un peu flipper. La flippe est présente. Qu'est-ce que c'est? Simple épée longue. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là! Alors ça... 12 de dégâts avec confusion de niveau 1. Pas mal, sachant que là je vais quand même... Ah, c'est un tout petit peu en dessous. Et je mets un coup d'impact. Cependant, je vais quand même la vendre à la place de l'épée de feu. Ouais. Ah, quoique l'épée de feu... Ah, si, quand même, l'épée de feu, je vais la vendre. Je mettrai un tout petit peu moins de dégâts, mais la durabilité reste plus importante. Oh, je le sais. Est-ce que je le savais? Oui. Oh, je le sais. Oh. Simple pas en faire. Il y a un truc. Et là, cette épée en fer, qu'est-ce qu'elle me donne? Oh, l'épée en fer classique, je pourrais la vendre. Là, c'est la suite, mais qu'est-ce que j'ai de ce côté? Ok. Oh la vache. Ça me fait peur. Oh, je l'ai vu tellement de loin, celle-là. Ok, alors ça, si c'est pas un test, c'est qu'il y a un piège quelque part. Ça, je sens que c'est un piège. Oh cool, les shurikens. Ah, tiens, évidemment. Ok. Attends, ça veut dire qu'il y a un truc là. Oh, je le sais. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu de loin. Je l'ai vu de tellement loin, celui-là. Attendez, je vais lui faire un petit rentre dedans. Impeccable. Rentre dedans. Et restez fort. Prendre la potion quand même. Je peux pas l'utiliser, t'es sérieux? Voilà, merci. Donc oui, il y a ça. Je peux honteusement frapper à travers les murs. C'est ça que tu es en train de me dire, le jeu? Ok, je peux faire ça. Je peux aller dans ce côté-là, mais aussi, je viens de voir que... Est-ce que je suis teubé ou c'est... Non, je peux pas aller là. Ah, ça a l'air un peu compliqué, cette zone. Ça a l'air un peu compliqué en termes de repérage. Ok. Là, si ça sent pas le piège... Si ça sent pas le piège... C'est qu'il y a un problème. Il y a forcément un piège quelque part. Ah non, ça se casse pas. J'aurais cru. Ok. Et donc là, je suis de l'autre côté. Selon le plan. Ok, là il y a une porte. Et là, il y a très clairement un piège. Un piège ou une malédiction quelconque. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ça, c'est piégé, on est d'accord. On va aller là. Hop. Hop. Vas-y, ouvre la porte, ça ira plus vite. Ok. Oh là là. Oh que je n'aime pas ça. J'espère que ça va bien, vous. Ah non. Allez. Ouais, c'est parce que je pensais qu'il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Non, mais les araignées, vous êtes gentils. Ça va, je maîtrise les araignées. Hop, pas les fantômes. Ah, ça par contre, ça se voit pas. Ça, il n'y a rien. Ah, ça me fait peur. Le
couloir est continu. Ok. Ok. Est-ce que je continue là-bas? Ou est-ce que j'ose vérifier ce qu'il y a ici? Il y a un bouton là. Je vérifie. Ok. D'accord. Donc ça va sûrement me servir pour plus tard. Bon, bah, j'ai bien fait d'aller là. Parce que il y avait absolument rien du tout. Mais ça, c'est intéressant. J'aurais pu utiliser contre le squelette. Oh. Oh non, l'erreur. L'erreur. Ah bah les bleus. Parfait. Alors. Ah, patte de velours, vous passez tranquillement sur les pièges sans faire le moindre bruit. Est-ce que. Oh, ça dure combien de temps? Ok, ça dure une dizaine de secondes. Ce qui est assez long. Alors, vous n'êtes pas assez concentré pour réaliser ça. Ok, donc tant que je utilise la compétence et que je fais un seul mouvement, ça passe. Si je lâche par contre, ça ne passe plus. Et si je fais ça, je lance, je lâche, je relance et je... Ok. C'est cumulatif. Petite pomme, quand même. Non. Ça, rien du tout. Ça doit être la suite. Donc là-bas. Évidemment. Ça me fait peur quand même, c'est trop. Ok, ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. S'il y a un cercueil qui se réveille. Non, c'est pas un cercueil qui se réveille, c'est tout le reste. Oh, wow. Oh. Heureusement que j'avais mon bouclier, moi. Donc, je me débarrasse de ça en premier. Heureusement que j'avais mon bouclier, moi. Là, ça va être la suite. Là, il y a un drop. Ouh, tunique en cuir anti-éclair. Alors ça, si ça me protège pas de l'éclair au niveau 2, ça c'est génial. 168 d'armure, sachant que ça me fait un petit 156. Y a pas à aller plus loin. Protection poison, protection contre électricité. Là, je me sens pas trop mal. Un anti-poison. Toujours utile. Et là, il n'y a rien qui s'ouvre. Oh, what? Ok, ça va me permettre de savoir si mon sort patte de velours fonctionne. Fonctionne? Zéro. Le tombeau des braves n'est pas un lieu pour toi. Tu n'as pas réussi à m'empêcher de lever une armée de morts vivants. Tu resteras en ces lieux pour l'éternité. Quant à moi, je vais régner sur Nox en maître incontesté, grâce à l'aide des invincibles morts vivants. Non mais au moins, chaque fois qu'on meurt, on a une petite... Sauvegarde l'auto, s'il te plaît. On a une petite phrase. Heureusement que j'ai sauvegardé, je suis content. Oh, c'est marrant ça. Je sais pas si vous l'entendez, il y a un petit ah. C'est un petit détail que je trouve très drôle. Je vérifie juste que tout va bien de mon côté au niveau des
de l'enregistrement, vous m'excuserez. Ok, c'est tout. Ok, tout va bien. Tout va bien, mais tant mieux quelque part. Donc, on va pouvoir continuer. Excusez-moi pour le temps d'attente. J'aime pas ça. Oh, ça me fait flipper. Eh, mon copain, viens. Voilà. Ah, non, vous m'avez pas vu. Non, vous avez. Eh, mon copain, viens. Non, tu veux pas. Je mets 15 maintenant sur ces ennemis avec mon petit level up. D'ailleurs, j'ai combien de points de vie? Je me pose la question. Voilà, pendant que je suis dans un cimetière, je suis monté à 63 et 55 de force. Ok. Là, y a rien. Et là, y a rien. Bon, je suppose que ici. Non, arrête. Ok. Bon, là, y a que dalle. Là, y a que dalle. Je me dis clairement, faut aller là. Franchement, j'ai pas envie. Je sais très bien que lorsque je vais appuyer sur ce bouton, mais on va tricher un peu. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà. Là c'était loin. Là c'était très loin. Voilà, meurs, non, approche-toi un petit peu. On va utiliser une petite potion, hein. M'en voulez pas, petite potion. Allez. Oh, il me... Voilà, ça, c'est un problème de fait. Je récupère tout ça. J'en suis quand même curieux. Y a pas des petits effets sympas? Roulage de fer. Non, que des roulages de fer classiques. Et là, je récupère de l'or. Évidemment. Mais une épée aussi. Oh. Une simple épée en fer. Oh, ça va. Je récupère ça. Et il me dit qu'il y a un autre truc. Ou c'est juste parce que ça brille? Non, c'est juste parce que ça brille. Ok, il n'y a rien d'autre, Bon bah, et maintenant, la suite de ce cimetière. Non, pas cimetière, mais de ce tombeau. Où on va complètement changer de niveau. Je vais sauvegarder. Voilà, on va sauvegarder ici. Ou là, la sauvegarde la plus ancienne. Où je suis sûr que c'est ok. J'aime pas ça, j'aime toujours pas ça, oh là là. Ah, ça me fait peur. Ok. Ok. Merde. Oui, levez-vous, mes serviteurs. Morts décérébrés. Vous n'obéirez qu'à moi. Je serai votre seul et unique maître. Obéissez-moi. Soyez maudit. Prends garde, Ecuba. Des humains nous observent. Mais non, j'étais derrière. Quelle étrange magie permet à un humain de rester ici sans être découvert? Tu es ici pour voler mon globe? Jamais. Tu mourras dans ce tombeau et rejoindras les rangs de mes invincibles légions de morts vivants. Ah, ok. Bon bah, nécromancien. Humain, ce sera un honneur pour toi que de servir Ecuba. Mais avant tout, tu dois mourir. Yep. Le combat contre le nécromancien. Yeah. Oh putain, il est où? Ouh. Oh what? C'est parce que j'ai... Oui, je sais pourquoi. Ok. On va la repasser. Pas la même.
on va c'est un pote la même. Ok, je sais. Quoi? Ok. Prends garde. Et toi, on va voir, voilà. Humain, ce sera un honneur pour toi. Ah, là-dessus, hop. Hop là. Ah mais... Oh, allez. Voilà, tiens, on prend ça. Oh, le sang de dégâts. J'attends juste que mon sort se recharge. Merde, je l'ai perdu. Oh, bloqué. Tu as réussi à m'arrêter, mais jamais tu ne parviendras à quitter cette crypte en vie. J'ai gagné quoi? Oh, j'ai gagné ça. Squelette, yeah! Bien que j'ai pas envie de pause, squelette manie avec habilité leurs épées et boucliers. Génial! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mon journal a été mis à jour. Quelle est ma mission? Trouver un moyen de sortir du tombeau. Yes! Trop bien! Putain, je vais faire 100 de dégâts. Refait. Oh, shit. Non, mais attends. Potion, je prends. T'es quoi toi? Un squelette? Non. Boum! Alors ça, ça me plaît pas, ce genre de salle. Ça, c'est un mort-vivant. C'est très clairement mort-vivant. Qui peut potentiellement empoisonner. Mais un poison. C'est un labyrinthe. C'est complètement un labyrinthe. Ah non, 6 de dégâts. Ok, là je sais qu'il y a. Eh copain. Eh viens copain. Viens. Bon, je l'ai activé, mais c'est pas grave. Non. Ok, donc ça c'est potentiellement le bon chemin. Mais si je prends un autre chemin. Oh, une épée. Attendez, j'ai pas vu l'épée. Simple peu en fer. Oh, ça va. Ah, là. Solide. Ouh, solide masse en fer de braise. Alors ça, tu m'intéresses. 18. Ouh. Bon, bah, clairement, un feu niveau 1. Eh bah, écoute. Voilà. Y a pas à aller plus loin, en fait. C'est... Ah ouais, c'est le feu, quoi. Le feu. Est-ce que quelque part, ça se rejoint, les deux chemins? Hop, coucher. Coucher la goule. Coucher. Ouais, je me pose la question si les deux couloirs se rejoignent. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et les deux couloirs se rejoignent complètement. Par contre, toi, évite de m'ennuyer avec ton sort. Faut vraiment que je trouve un truc contre ça. Ça, je dirais que c'est la suite. Ça, c'est pas la suite. Du coup, qu'est-ce qu'il y a-t-il à droite? Ok, des araignées. Des tombes, voilà, évidemment. Je suis déjà venu là, n'est-ce pas? Je suis déjà venu là, non? Ou alors c'est encore la suite, mais ailleurs. De toute façon, je vais pas aller plus loin. Mais ça. Et ben voilà. Il y a un feu quand même. Il y a un feu, j'aime pas bien. En général, quand il y a un feu, c'est qu'il se passe quelque chose de pas glorieux. Voilà, pas glorieux. Bon bah, c'est réglé, hein. Pas d'objet, pas de drop. Bon bah, je passe par là. Vous pouvez pas. Allez, de ce côté.
Ok, là il y a un truc. Ça, ça se rejoint. Okay. Ah, attends, je récupère ça. Je suis à combien niveau poids par contre? Parce que je commence à être un petit peu. Ah, je suis déjà à 1300. Ah, faut que je fasse attention à mon poids. Parce que là, ça va être de plus en plus juste. Avec tout ce que je récupère. Mais il y a tellement de choses, mais arrêtez. Les rondages, je vais peut-être penser à arrêter de les prendre. Oh, je l'avais pas vu. Bien joué. Là, il y a un truc. Ouais, on me l'a fait quoi, je l'ai vu. C'était tellement évident. Ok, donc là c'est bon. Là c'est bon. Là, il y a une goule. Goule ou mort-vivant? Là, il y avait une porte. Non. Mais il y avait une porte juste à, juste au-dessus. Donc, il va falloir que je fasse de nouveau. Pour vérifier ce qu'il y avait derrière la porte. Je vais prendre une petite potion. Ouais, là. Non, je sais pas ce qu'il faut. Ok. Je n'ai pas ce qu'il faut. Mais il y a un truc là. Ah, bah oui. Exactement, et un truc là. Ah bah, eh quand même. Il y a des araignées, mais il y a surtout pas mal de choses. Comme une potion. Il y a surtout de l'XP en fait. Ah, shuriken. Enfin, peut-être que je les utilise un jour ces shuriken. Oh, rondage anti-éclair. Alors ça mon copain. Ouais. Je vais me l'équiper quand même. Regardez comment je suis beau. Wow. Ah, doucement. Je suis con, j'aurais dû utiliser le truc. Formidable jambière en côte de maille. Je les ai mis direct. J'en avais pas. Comment ça se fait? Ah si, j'ai un... Ah, j'ai un pantalon. Et par-dessus, je peux mettre des jambières. Eh ben, écoute, tant mieux. Que demander de plus dans la vie? Tiens, qu'à demander de plus dans la vie, mettez-le en commentaire. Oula. Oh putain, une clé. Il y a complètement des clés là qui me seraient fort utiles. Il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a un truc que j'ai pas vu et ça va me rendre fou. Notamment cette épée. Est une épée de type épée. Il y a un truc qui me rend fou là. Tiens, j'ai pas la clé là. Oh, putain. J'ai pas la clé. Pourquoi? Il y a un truc que j'ai. Quel con. Excusez-moi, j'étais en train de me dire de réfléchir. Donc ça, ok. On ramasse, ok. Et là, là je peux pas y aller. Et là je peux pas y aller. Pour accéder à cette clé là, il faut que j'aille par là. Ok, mais alors comment j'accède s'il n'y a pas de mur friable?
Est-ce que j'ai raté une porte à un moment précis? Surtout j'ai raté un mur. Non. De ce côté-là, sur mon plan, bah y a plus rien. Ah, c'est le côté énigme là, ça va m'énerver. C'est le côté énigme, voyons. Je vais faire une vraie sauvegarde. Juste en dessous. Oui, on est déjà le 20. Ça passe vite le temps. Sachez-le. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, là ça marche pas. Là ça marche pas. Ce côté-là. Non. Non. Ah, oh. Non, ça c'est le passage secret. Puisque je me suis exprimé. Ça n'a rien à voir. Donc, si c'est pas là, c'est que ça doit être dans une autre salle. Attends, mais où ça peut être? Est-ce que j'ai raté une clé à un moment? Est-ce que j'ai oublié d'activer un truc? Non, là, c'est là d'où je viens. Y a pas une clé là que j'ai raté? Non, le feu il reste là, il bouge pas. Là y a rien. Ce côté là y a rien du tout. Là très clairement ça m'amène à un endroit où je peux rien faire. Donc là je suis bloqué. Oh, oh non, me dis pas que c'est un truc comme ça. Non, c'était juste pour de l'or, ok. Ok, donc là il y avait des petits secrets. C'est-à-dire que j'ai raté des... Il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a une porte qui s'est ouverte. Où ça? Ça, c'était en bas, sûr et certain. Mais alors là... Qu'est-ce que je dois faire? Je suis bloqué en fait, je pense. Être déjà bloqué. Oh là là. Oh là là. Pas maintenant. Pas que au chapitre 4. Pas après seulement 6 heures de jeu. C'est un peu triste. Non, y'a pas un autre truc que j'ai raté. J'ai pas envie de chercher une solution maintenant. C'est déshonorant. Oh. Oh non, mais pas ça, pas comme ça. À moins que. Non, c'est pas ça, c'est inutile. Oh non, comment? À moins que... Non, ça ne marche pas. T'as pas une clé sur toi, non? Ou alors je... Oh, je pouvais la prendre. Oh, mais quel idiot. Quel idiot. Ah bah là... Ah bah là franchement il y a une claque qui est en train de se perdre. Il y a des insultes là vous voyez et je comprends. Là mais je vous comprends totalement que vous avez envie de m'insulter. J'aurais aussi dû me dire, ah mais attends, il y a peut-être moyen de faire un truc. Là très clairement vous avez tout ce point. Oh là là. Ah mais ok. Ah oui, c'est effectivement utile. Ah, je tiens à m'excuser. Mais vraiment. C'est honteux. Même moi, ça me... Oh, ça me fait du mal. Ok, la suite. Oh, une épée. Oh. Hop là, pas bouger.
Épée classique, simple épée en fer. Hop. Meurs. Ok, et là, c'est là où j'ai vu tout le reste. Je vais être trop lourd à un moment. Je vais vraiment être trop lourd. Là, il y a un peu d'or. Maintenant que je le sais, je vais vérifier si c'est culture. Là, il n'y a rien. Donc là, ok, c'est... J'ai l'impression que c'est là d'où je viens, en fait. C'est vraiment particulier. Une sensation de déjà vu. Ok, ça c'est bon. Oh, c'est un fantôme ça. Oh, le saleté. Ah, la saleté. Il me met une doublette. C'est-à-dire que je peux pas avancer. Je prends pas trop cher encore, mais... Là, il y a quoi? Là, y... Ah, là, j'aime... Là, je... Oh! Saloperie de squelette. Il y a un piège. Là, il y a forcément un piège. Non, il y a pas de piège. Ok. Je me fais bien voir mon écran. Ça, ça fait déjà 40 minutes. Oh là là, honteux ce qui se passe, honteux, rembourser la vidéo. Là par contre ça va être un fun à toute épreuve. Oh bah oui. Ok. Heureusement, je commence à connaître le jeu. On va aller faire s'approcher un à un. Si je fais ça, ça se voit. Oh, ils sont stun. Ça c'est très intéressant. Ah, quoi? T'es mort? Je crois qu'ils sont morts, ouais. Ok. Petite potion, parce que j'en ai besoin. Et là, y'a rien. Là, ça me mène, ok, à l'arrivée. Ici. Pas d'objet non plus. Ah, je sais pas ce que... J'étais jamais allé là. J'étais jamais allé là. Donc ça, c'est le feu, ok. Et ça, ça m'amène à des endroits que je ne connaissais pas avant, forcément. Rien du tout. Des tas d'ossements. Un couloir qui m'amène encore à une goule. Il n'y a pas un truc en plus là sur ces goules. Ah, ça par contre, j'aime pas bien ça. Je pense que ça doit être potentiellement la fin. Arrière. Ouais, là, c'est là que j'avais pas vu. Non, c'est pas là, c'est en arrière. Ok. Bon, jusque là, je me repère. Et ici, qu'est-ce qui se cache ici? Ok, alors qu'est-ce que je fais? Là je peux rien faire, à moins que... Ouais c'est ça. Hop, terminé. Ok, on descend encore plus. On laisse encore plus bas parce que c'est pas assez drôle. Les shurikens. Je les utiliserai un jour. Et on descend encore plus bas.
Je sais tellement pas où je suis. Je sais tellement pas où je suis. Alors attendez, je suis là. Ouais, non, je suis toujours sur Terre des Braves, sur ce chapitre-là. Ok, bon, bah. Très bien le jeu. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis à combien de poids? Je surveille quand même mon poids. J'ai encore un tout petit peu. Gardien barbare des cryptes. C'est un boss, ça, monsieur, dame. C'est complètement un boss. Je veux dire, c'est littéralement marqué dans le nom. Oui. Oui. Ok. Oh, ça m'a fait peur. Oh. Je me suis vu mourir. Je vous cache pas. Bon. Formidable côte de maille en fer. Attendez. Attendez. Ce combat a duré quelques secondes pour vous. Pour moi, il a duré beaucoup trop. Côte de maille en fer. J'ai déjà une côte de maille, déjà. Superbe tunique de cuir. Ou alors, c'est ailleurs. Donc là, j'ai quand même une résistance à l'électricité. Sans lutte. Si je la mets, ça m'enlève quoi? Ah, c'est mon truc. Ok, c'est mon... Ouais. Donc là, je passe de 76 à 108, ce qui n'est pas dégueulasse. On revient. Brèche de fer, c'est ok. Paire de mailles de fer. Sachant que là, j'ai quand même une paire classique. Et là, je passe de la même... C'est la même chose, en fait. C'est complètement la même chose. Donc là, si c'est la phase de boss que je viens de me taper, c'est-à-dire que la fin est pas loin. Là, nous avons une côte de maille en fer. Ok. Ce qui veut dire que je passerai de 108 à 216. Autant dire que ça me va. La paire de bottes de cuir renforcée, c'est pas mal du tout. 86 alors que j'étais à 75. Le constat est vite fait aussi. Et juste ici, l'épée longue en bronze de flamme. Et je suis trop chargé. Et je... Non, ça va, je cours quand même encore vite. Ah non, je suis trop chargé pour prendre ça. Bah écoute, on va enlever l'épée en fer. Voilà. Et donc là, je passerai d'environ 15 à 23. Qu'est-ce que c'est abusé? Est-ce que c'est abusé? Un 18 à... Bah écoutez, oui. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Ah bah tiens, un petit peu d'or. Qu'est-ce qui m'empêche? Oui, je vous le demande. Bon, ça devait dire que c'est la fin. Là, c'est très clairement, on va dire. Ouf. Ah bah ça tombe bien. Faut que je prenne le réflexe de bourrer aussi X de temps en temps. Il y avait un fantôme, j'avais pas vu. Pardon. C'est la fin là. Hop, 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 hop. Là, il y en a deux. Ok. C'est le moment de voir combien je mets. 24. Des ennemis qui je pense ont 30 points de vie. Franchement, ça va. Moi, j'accepte. Hein. Oh. Calme. Là, il y a une porte pour une épreuve bonus. C'est faux. C'était complètement nul. Alors, je ne sais pas s'il y a un truc à faire avec ça. Je me pose la question depuis un petit moment. Allez, un dernier boss. Pour le fun. MDR. Alors ça, si c'est pas un piège. Je le savais.
Mes pattes de velours, c'est inutile. C'est... Pourquoi j'ai une compétence qui me sert à rien, là, en fait. Attendez, vous voulez dire que le boss, c'était pas la fin? C'était un boss du milieu. Je crois que c'était ça, c'est le boss du milieu. Ah. Non, pas dehors. Ça y ressemble, un peu. Par contre, cette épée est peut-être bien, mais elle me consomme énormément d'action. Je sais pas si vous voyez, mais je suis presque à aux trois quarts de mes actions des shurikens. Les shurikens, j'hésite quand même à les utiliser. Tu vois. Voilà, un shuriken de flamme trop chargé. Bon, et bah il y a une rondache, même 3-4 rondages qui vont partir. Putain, ouais. 2, 3. Tiens, là, il y en a même 4. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est rien. Hop, hop, hop. Semblait plus en faire, on va oublier maintenant. Je pense qu'il va falloir être sélectif désormais. Save. Ouais. C'est bon? C'est ok là? C'est la fin? Allez, on se dit que c'est la fin maintenant. Non, mais vous voulez pas qu'on dise que c'est la fin? S'il vous plaît. Combien de thunes? Putain, je suis à 2600 de thunes quand même là. Eh copain, eh, on dit que c'est la fin, s'il te plaît. Boum. Hop, je passe. Ok, ça c'est la suite. Ça c'est le bonus. Oh là 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 là, non, non. C'est pour ça qu'il j'ai la compétence pas de velours. Ok, est-ce que je vais me la prendre? Yep. Allez, on continue, on se la prend encore. Est-ce que j'ai failli mourir? Sûrement que oui. Est-ce que je meurs? Oh non, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh là là. Bon, bah... Heureusement que des potions existent. C'était pas ce que je voulais faire. Mais pas du tout. Oh là là, mais regardez-moi cette agilité. Cette maîtrise. Dans le jeu de jambes. Cet homme, c'est la fin. Allez. On se dit que c'est la fin, les gars. Ça, je prends plus. Oh là là, et encore. Oh, vous m'avez fait peur. Excusez-moi de vous dire, mais vous m'avez fait peur, les gars. Meurs, 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 allez. Ah là là, c'est pas bien ce que tu fais. Tu es un mauvais mort-vivant. Petite potion, parfait. Oui. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce genre de disposition. Mais... Pas tout le temps. Ça, c'est la suite, ça. C'est clairement une suite, ouais. Ça c'est quoi? C'est du... Oh là là! Oula, oula. Alors attends, ça très clairement c'est en train de me dire piège. Ça très clairement c'est un piège. Ah, t'étais pas mort. Excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai pas bien tué.
Là, il y a marqué piège sur cette salle. Il y a très clairement marqué piège. Je tiens à souligner. Est-ce que c'était évident? Un petit peu. Est-ce que franchement c'était évident? Oh, est-ce que ça veut dire que c'est du retry? Oh, j'ai pas envie que ce soit. Ah. Oh là, oh non, c'est un petit piège. Oh, c'est un troll. Non. Je suis en train de me perdre. Ça pourrait que oui. Est-ce que je suis complètement perdu? Parce que là je suis complètement perdu. Ah ok. Ok, donc c'est là, c'est l'arrière, ok. Donc là. Ok. Faut que je me repère aussi les gars. Calmez-vous sur votre esthétique. Votre enfin calmez-vous les gars. Donc c'est pas ça. Il y a forcément un passage quelque part. Forcément un truc que j'ai raté. Il y a un chemin que tu dois suivre. Ok. Est-ce que c'était pas le bon chemin? C'était pas le bon chemin. Excuse-moi. Oh, un bouclier. Attends, il y a un bouclier. Un bouclier qui doit être plus mieux que moi. Qu'il est mieux. Regardez. Moi, cette super. J'ai oublié ça. Donc là, il n'y a rien. Ouais, si, il y a ça. Il y a juste un truc là. Le reste, c'est décoratif. Est-ce qu'il y a un indice sur le chemin que je dois prendre? Ou c'est full bullshit? Ah mais c'est juste pour ce truc. Oh là là, mais je m'ennuie pour rien. Bon attendez. Bon attendez, je suis en train de faire un margoulage. Ah non, j'étais sur le point de réussir un truc. Ça je m'en fiche. Ah, attends une seconde. Par hasard. Oh, quel génie. Mais quel génie. Et je reviens en arrière. Vérifier une petite chose, quand même, parce que j'ai pas tout complété dans cet endroit, je le sais. Voilà, bah en plus... Non, dégage. C'est que là j'ai pas visité. Bonjour monsieur. Y'a personne, ok. Là j'ai pas vu. Même si c'est juste pour ça. Arrêtez de me bouffer s'il vous plaît. Anti-étincelle. Oh. Ah, trop lourd. Trop lourd. C'est une rondage qui part. Et donc celle-ci. Cette coiffe anti-étincelle. Ok. Bah, protection contre l'électricité niveau 1, bah c'est très mal vu que j'ai déjà niveau 2. Donc là, c'est ok. Je reviens d'où je viens. Je prends. Là, excusez-moi monsieur. Merci. Non mais je vous jure, on va y arriver. Hein. Hop. Je passe de manière tranquille. Voilà.
là, je sais que je dois aller à cet endroit, passer à gauche, à droite, aller ici, parcourir ce long couloir avec énormément de problèmes. Voilà, excusez-moi, monsieur, dame, excusez-moi. Si, là, je sais que je peux venir. Oh, salut. Ça, c'est un bonus, on est d'accord. C'est complètement bonus. C'est un bonus, mais pas que. C'est un double bonus. Ouais. Aïe, mais... Oh, et... Prends l'or, s'il te plaît. Donc là, il y a quelque chose. Il y a un coffre avec... Une hache de guerre en fer. Alors ça m'intéresse énormément. Alors, oui, si je pouvais éviter de me dire, ah, t'es trop lourd. Là, on va enlever une simple épée en fer, cette fois-ci. Alors, on va y voir un petit peu cette hache qui est encore un peu lourde. Elle est encore trop lourde. Merci. Alors, voyons voir cette petite hache. On est sur un 27, ok. 27 contre 23. Je vais prendre la hache. Je vous cache pas qu'il y a un moment, je vais faire un setup en off pour me dire qu'est-ce que je garde comme équipement, qu'est-ce que je laisse. Mais là, je trouve des équipements plutôt pas mal en termes de dégâts. Bon, est-ce qu'on est d'accord que c'est la fin là? C'est complètement pas la fin. C'est complètement pas la fin là. Ah, attends, fais voir. Oh la vache, je suis presque au 3 quarts là, ça se rapproche énormément. Ouais, bonjour. Allez, mourrez. Ah, il y a quand même une petite, petite latence. Niveau de du coup ça met un temps avant de oh là là mais quelle saleté ça met un petit temps je te dis de mourir t'es pas mort meurs ça c'est pas un piège ça si c'est pas un piège je sais pas ce que c'est. Oh là là j'ai failli mourir. J'ai complètement failli mourir. Excuse-moi, le sac. Merci. D'accord. Attends, ça s'enfonce encore. Calmez-vous. Si ça. Si c'est pas la fin, je coupe là pour moi. Bon bah je crois que le problème est réglé, mesdames, messieurs. Ce n'est pas encore terminé pour cet endroit, mais pour moi, je vais couper ici et je vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Bien, allez, on va continuer cet endroit qui est très long. Oh là là, il y a encore des fantômes. Ah, ok, une première porte. Seconde porte, c'est dans la suite. Allez, allez. Est-ce que cette porte est ouverte? Elle est complètement ouverte. Oh là là. Je ne. Ah non, ça. Ok. Une sépulture. Qu'est-ce que c'est? Les shurikens? Enfin, je vais peut-être les utiliser mais au final, les shurikens. J'en ai combien? 60, on va en vider un peu. Ça baisse combien ça? Ça fait 5, ouais. Je vais en vider un peu. Je vais pas les utiliser maintenant. Ok, en plus j'ai une petite joule. Ce qui est génial, du coup. Ok. Attendez. Oh, je m'amuse. Ah 5. Ok.
Donc ça c'est une sculpture, ça c'est... Je sais pas, c'est... Bah, c'est la suite, sauf que bon, y a les flammes. Là. Vite, prenez mon lit. Ok, on va peut-être changer de méthode, je crois. Je m'appelle Batman du pauvre. Je l'ai toujours pas lissé par contre quand je l'ai pas. Bon, je pense que je me suis assez amusé. Que vous avez assez vu mon niveau pitoyable. Ah mais ça, ok, ça revit, très bien. Non mais ça revit, très bien, j'ai compris, donc possibilité de débattre. Ok, ok. Très bien, ça, ok, j'ai compris. J'ai compris la leçon, merci. Ah bah parfait. Donc c'est pas ici, c'est peut-être là. Non, s'il te plaît. Allez. Ok. Voilà, c'est bon. Peut-être un bouton quelque part, un machin. Aïe, 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 aïe. J'ai raté quelque chose, il y a un bouton quelque part que j'ai raté. Comment je... Ça c'est la mort. C'est la mort, ouais. Ok. Il y a forcément quelque part un truc que j'ai encore raté, que vous avez vous vu, sûrement. Et que moi j'ai oublié. Un bouton... Un passage. Pas ici. Là, y a rien. Ça va recommencer, ça va recommencer, ça va m'énerver. Je suis pris le mur, génial. Bravo, champion. En force, c'est con. Putain, si j'ai brute force, bon bah très bien. Ah ah, ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime beaucoup cette salle là. Ok, voilà. Là, je le savais, je l'ai vu. Le tombeau des braves. Ouais, je sais, le tombeau des braves. Je l'ai senti, je le savais. Allez. Voilà. Hop. Putain, raté. Faut que j'esquive et que j'arrive à la voir. Maintenant. C'est facile. Et là. Yes, un petit 75, je vais bloquer. Donc je bloque. Ok. Mince. Et... Potion. Ah là c'est bon, ça te combat un peu plus difficile. Et où? Là. Oh là là, le mur. Le bout du mur. Je l'ai vu, le bout du mur. Faut que je le vois là-haut.
Hop là. Il est où? Emporté. Merde. Faut que j'arrive à l'avoir. Un peu plus dur ce combat. Hop là. 78. Tant que j'arrive à le choper avec ma charge, c'est ok. Ok, je vois. Hop là, deuxième charge. Je crois qu'elle est passée. Je suis sûr qu'elle est passée. J'en profite. La potion, ça me semble utile. Il est où? Il est où? Il est où? Non. Ah, raté. Oh là là, raté. Je l'avais. Je le tenais. Bien compliqué ce boss. Ah, je ne suis pas en mesure, ok. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est bon. Ça, je l'ai eu. Là, ensuite. Oh là là, je l'ai chopé. Ça, c'est très très utile. Ça, c'est super utile. Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, une solide robe de magicien, c'est pas pour moi. Un bâton de foudre, ça va se revendre super cher. Ah, en plus, c'est avec un certain nombre de gemmes. Ça, je peux le revendre super cher. Mais vraiment, level up, où j'en suis? 78 et 67, pas mal. Et j'ai augmenté mon poids, ça c'est super. Ah, il y a autre chose, j'ai pas vu. Anti-éclair, j'en ai encore des bottes anti-éclair. Ça, ça doit être du niveau 1, niveau 2. Mes bottes. Ouais. J'ai déjà un. Ah non, j'ai plus d'anti-éclair. Ah oui, c'est vrai, c'est mon bouclier d'avant. J'avais oublié ça. J'avais oublié ça, donc là c'est bon, c'est la fin. Je veux dire, terminé. Ah bah voilà, on remonte. Ah, je suis remonté, et oh là là, un hélicoptère, le deuxième. Monseigneur, aidez-moi, je vous en prie. Un groupe d'ogres enragés a envahi Brun, le village situé au nord. Ils ont enlevé presque toutes les jeunes filles. L'une d'entre elles est Glinda, ma sœur bien-aimée. Sauvez-la et je saurai vous récompenser. Hâte-toi, mon garçon. Le temps nous est compté. Tu dois secourir les jeunes filles avant que les ogres ne les dévorent. Tes aptitudes de guerrier s'améliorent de jour en jour. Bientôt, tu seras un chevalier ardent. Tu vas devoir remplir une nouvelle mission pour moi afin que je sache si tu es réellement digne de porter l'arme ultime qui mettra un terme au règne de la reine du mal. Les ogres ont attaqué le village de Brun et enlevé les femmes, les plus belles fleurs du hameau. Leur cruauté est indescriptible. Tu es le seul capable de pénétrer dans Groktor, le royaume des ogres, de punir ces bêtes et de ramener les jeunes filles saines et sauves. Ok. Avant une fois, je ne change pas de map. Et ben voilà, c'est parfait tout ça. Le chapitre 4 qui est très très long est terminé. Je vais juste essayer de choper les quelques tonneaux qui sont de l'autre côté. Très belle musique au passage. Petite pomme, allez, pas la peine. Bien, je vais juste m'arrêter au niveau d'un marchand parce que je suis un tout petit peu. Il n'y a pas de temps à perdre. Non, d'accord, je peux pas avoir un marchand là. Pourquoi ne faites-vous rien? Ma sœur est en. Tais-toi, Ingrid. Je peux pas traverser. Ah, il y a pas de marchand, il y a pas de marchand, il y a pas de marchand. Tant pis. Eh ben, écoutez, je vais m'arrêter là. On va faire une glace aïe sur, on va dire celle-là.
Et voilà, merci d'avoir suivi ce chapitre 3, ou chapitre 4, non, chapitre 4, qui aurait été un poil plus court la dernière fois. Je pense qu'on devrait être pas loin d'une heure. Ou alors, en recoupant, j'arrive à descendre un peu, notamment quand j'ai tourné en rond au niveau du cimetière. J'espère que Nox vous plaît, je vous invite vraiment à essayer ce jeu, qui est dispo sur Abandonware. Si ça vous a plu, je vous invite aussi à mettre un petit commentaire, à liker, à partager la vidéo si vous le voulez, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les sorties tous les mercredis à 15h30, et à me suivre sur Twitter et Instagram, je suis le plus présent pour annoncer lancement des projets sur la chaîne YouTube, et aussi parler un petit peu de ma vie. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Nox.